Bonjour. Je pense que par cette vidéo, un passage de l'Évangile qui est célèbre est illustré de manière plénière. La vie du bienheureux père Clément Marchisio, un prêtre italien très humble, un petit curé de paroisse, illustre, je pense, cette histoire qui vit apparaître sans doute Judas l'Iscariote, celui qui a trahi Jésus. Un jour, Jésus était invité par un certain Simon, un pharisien, et une femme alla vers lui. Elle avait à la main un vase de parfum, l'équivalent d'une année de salaire. Elle le cassa à ses pieds. Puis, avec ses larmes, elle mouillait ses pieds, et avec ses cheveux, elle les essuyait. Il y avait Judas qui était là et qui disait: c'est n'importe quoi, c'est un gaspillage. On aurait dû vendre ce parfum et le donner aux pauvres. Judas, en effet, ne comprenait pas qu'on puisse gaspiller du temps, de l'argent. Il était aussi voleur, hein, il volait un petit peu dans la caisse. Pour des choses comme ça futiles. Alors que, soi-disant, il y avait des pauvres. Eh bien, c'est un peu la même chose. On peut dire que Don Clément Marchisio a fondé une communauté religieuse dont le seul but, la seule finalité, les filles de Saint-Joseph, était d'honorer Jésus dans son Eucharistie. Donc, des centaines de jeunes femmes qui se consacraient à Dieu, avec comme seule mission d'honorer Jésus qui était bafoué, parfois dans l'époque où il vivait en Italie, à la pleine période de la fin des États du Vatican, et bien qui était bafoué par les gens qui étaient anticléricaux. Il y a une deuxième leçon que je vais raconter à travers sa vie, c'est comment justement, comment est-ce qu'on peut arriver à vaincre les résistances d'une paroisse qui ne cesse de se moquer des prêtres, qui n'en ont rien à faire. Il a vécu une véritable persécution anticléricale, et voilà. Alors, ce petit garçon, Clément Marchisio, il naît exactement le 1er mars 1833 en Italie, à Rivalba, c'est dans la région de Turin. Les circonstances de temps et de lieu, eh bien, c'est en Italie du Nord. Le début de la révolution industrielle qui va se faire pendant sa jeunesse, avec l'installation d'industries, en particulier dans la ville de Turin, et des gens qui viennent des campagnes où il y a une certaine stabilité, une transmission de la religion, pour arriver dans la ville où il n'y a plus rien, où ils sont livrés à eux-mêmes, et où la foi, peu à peu, va disparaître, au profit, je dirais, de la révolte, en considérant l'enrichissement indu de certains patrons, la misère extrême de certains ouvriers. Les rues de la ville sont remplies d'enfants qui sont ainsi laissés sans surveillance. Eh bien, c'est dans cette ville de Turin que va naître toute une foison de saints prêtres. Je parle évidemment de Saint Jean Bosco, de Saint Joseph Cottolengo, mais d'autres comme lui, comme Clément Marchisio. Alors, c'est une famille italienne catholique, hein, comme un peu toutes les familles à cette époque-là. La foi s'est transmise profondément. Elle a été labourée par des saints apôtres pendant toute une période. Et je me suis trompé, la ville où il est né, c'est Racconigi, dans la région de Turin, hein. Peu importe, c'est tout à fait près. Son papa est un modeste savetier et son rêve, c'est que son petit garçon devienne évidemment son successeur, qu'il prenne la suite de son échoppe. C'est véritablement, on peut le comprendre, hein, il aura comme ça une protection, un vrai métier en main. Mais très vite, alors qu'il est tout jeune, qu'il est, je dirais, emmené avec sa maman et son papa à l'église pour assister à la messe, très vite, il déclare: je veux être prévôt. Prévôt, ça veut dire serviteur de la messe quelque part, c'est-à-dire curé, hein. Sa mère, qui est une sainte femme, arrive à persuader même son mari en lui disant: tu veux qu'il soit savetier, mais regarde, si le Seigneur lui a mis la vocation, laissons-le devenir prêtre, aidons-le. Ça sera une grande bénédiction sur notre famille. Le père finit par se laisser fléchir, et je dirais, à cette époque-là, il faut le comprendre, hein, ceux qui ont comme ça la vocation, il faut les aider. Et il y a des prêtres qui se dévouent pour cela, qui sont prêts à passer leur temps pour donner des cours de latin en particulier, parce que au séminaire, la loi de l'Église à cette époque-là, au milieu du XIXe siècle, c'est qu'on doit connaître le latin afin de lire certains textes de théologie en latin, qui est la langue de l'Église occidentale, et ensuite de pouvoir la restituer. C'est une chose qui va bloquer beaucoup de prêtres, par exemple. Saint Jean-Marie Vianney manquera de ne pas être ordonné prêtre à cause de ses lacunes sur cet aspect-là de la théologie.
Donc, un prêtre du secteur, le père Sacco, Don Sacco comme on dit dans les régions italiennes, eh bien, décide d'aider l'adolescent, de l'aider aussi par ses propres deniers, de faire qu'il puisse suivre des études secondaires et puis ensuite étudier la philosophie. Ça, c'est une chose que le Concile de Trente a demandé. Elle demande à ce que les prêtres connaissent, quand ils entrent au séminaire, c'est très jeune, ils n'ont pas beaucoup d'expérience, mais qu'ils fassent de la philosophie réaliste. Ce qui n'a pas toujours été le cas, hein. Ça veut dire qu'au lieu de faire une espèce de donner aux enfants une espèce de reconnaissance de la réalité, de l'observation de la réalité autour d'eux, souvent on leur donnait des thèses philosophiques, hein, détachées de la réalité. Il n'empêche que l'intention de l'Église était de les rendre réalistes. Et en effet, le domaine de la grâce suit la nature. Et donc, par exemple, si on connaît l'éthique, la morale de l'amitié, alors on connaîtra comment fonctionne la charité, qui est une amitié par rapport à Dieu, une amitié surnaturelle. Et donc, poussé par tous ces gens qui l'aident dans sa vocation, à 16 ans, Clément Marchisio revêt l'habit ecclésiastique, reçoit la première tonsure, etc. Et il va y rester à jamais fidèle. Mais il faut le reconnaître, c'est un jeune adolescent, il le reconnaîtra lui-même. J'avais pas beaucoup de plomb dans la tête, je comprenais pas grand-chose aux études qu'on me donnait. N'empêche que il fait ses études, il les fait courageusement, et il va jusqu'au séminaire, si bien que 8 ans plus tard, le 21 septembre 1856, il est ordonné prêtre. Un prêtre absolument sans expérience, un jeune homme qui est là, tout frais et moulu, on pourrait presque le qualifier de bleu. Et je dirais, il n'a aucune idée de ce qui l'attend comme prêtre, hein. Il rêve de quelque chose, comme il l'a vu peut-être dans son curé, dans sa petite paroisse de campagne, où il sera honoré facilement par sa famille, quelque chose comme cela. Ce n'est pas du tout la vie qu'il vivra. Heureusement pour lui, heureusement pour lui. Il y a dans la région de Turin un autre prêtre, dont Joseph Cafasso, qui sera plus tard canonisé. C'est l'un de ses grands prêtres, hein, qui aura d'ailleurs comme élève aussi Saint Jean Bosco. Et il a décidé de fonder une espèce d'école pour les jeunes prêtres, afin de les préparer concrètement à la pastorale et au ministère. En effet, pour le moment, ils n'ont que la théorie. Il faut développer une pratique du côté des deux commandements de la charité, l'amour pour Dieu, l'amour du prochain. Eh bien, Saint Joseph Cafasso va véritablement former la génération des prêtres qui seront saints par la suite. Comment est-ce qu'il fait? D'abord, il leur communique la spiritualité sacerdotale. Le prêtre est centré sur l'Eucharistie. Le prêtre, sa spiritualité, c'est l'Eucharistie. Il donne l'Eucharistie au peuple de Dieu. Il a donc aussi un rôle par rapport au peuple de Dieu. Il doit le perfectionner pour qu'il le reçoive, cette Eucharistie, où est présent tout le mystère de la foi, notre Seigneur carrément, réellement présent. Donc l'Eucharistie n'est pas un sacrement comme les autres. Et donc le peuple doit être formé pour recevoir Jésus dans l'Eucharistie avec ferveur. Mais le prêtre doit en vivre, c'est nécessaire. On peut dire que c'est à Don Joseph Cafasso que Don Bosco ainsi que lui, donc Don Clément Marchizio, vont devoir ce qu'on appelle les trois blancheurs, qui sont le socle de tout croyant dans l'épreuve, surtout en cette période où commencent à se développer de grandes luttes nationalistes en Italie pour arriver à faire une Italie unie politiquement. Et donc, forcément, un anticléricalisme qui se développe parce que il y a au centre de l'Italie les États du Vatican, qui empêchent l'unité italienne. Et ce sont donc des curés qu'ils font. Et le mélange entre la politique menée par l'Église et le projet nationaliste fait que du coup, beaucoup s'attaquent à la religion. Ils jettent le bébé et l'eau du bain. Alors, il leur apprend leurs trois socles. Ce sont les trois blancheurs que racontera à ses élèves Saint Jean Bosco. À savoir, si vous voulez garder la foi dans l'épreuve, gardez les trois blancheurs que sont l'Eucharistie, deuxièmement, la Vierge Marie Immaculée, vraiment. Et troisièmement, le rôle infaillible du magistère du pape. Lorsqu'il parle et qu'il annonce la foi, il faut garder ces trois choses-là, et alors le bateau de sa propre barque, sa vie de prêtre, secoué par les tempêtes de l'apostolat, de la solitude dans une paroisse, tiendra, ne coulera jamais. Saint Jean Bosco appliquera cette prophétie des trois blancheurs à l'histoire de l'Église et elle est actuellement tout à fait valable, à savoir dans l'épreuve que connaît l'Église, je dirais depuis le XXe siècle.
L'épreuve d'apostasie depuis mai 68, celui qui garde les trois blancheurs, ne vacille pas dans sa foi, c'est une évidence. Mais Joseph Cafasso, donc un professeur de séminaire, hein, un grand intellectuel, ne fait pas que cela. Il leur donne aussi, je dirais, la capacité à ne pas se fier que aux conclusions théologiques abstraites, celles de ce qu'on appelle la théologie scientifique, saint Thomas d'Aquin par exemple, qui par exemple, lui, eh bien, définit abstraitement que le mensonge est toujours un mal. Et c'est vrai, toujours, ça s'oppose à la vérité. Mais il leur apprend comment il faut, dans les circonstances de la vie, parfois, accepter, quand on ne peut pas faire autrement, le moindre mal. C'est de cette école italienne, que par exemple sortira le comportement du pape Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il saura que des enfants juifs sont pourchassés par les nazis afin d'être exécutés à Auschwitz. Il enverra partout ses nonces apostoliques, dont le futur pape Jean XXIII, pour qu'il... Il invite les évêques et les curés de paroisse partout à faire de faux certificats de baptême aux enfants juifs pour les protéger, pour qu'on les fasse passer pour des réfugiés venant du nord de l'Europe, etc. Et ce sera fait. Donc on le voit, dans de telles circonstances, il est évident, quand on ne peut pas faire autrement, il faut l'utiliser. Je dirais cette complémentarité entre doctrine universelle qui maintient hein, que le mensonge s'oppose à la vérité, donc c'est un mal. Et puis, le réel pastoral qu'il y a, va former chez notre prêtre, hein, Don Clément Marchisio, un homme, un vrai pasteur de terrain, capable de juger avec intelligence. Il le dira lui-même. Lorsque je suis entré dans la maison de formation de Don Cafasso, j'étais un grand gamin, j'étais un grand gamin, et une tête étourdie, sans savoir ce que voulait dire être prêtre. Mais j'en suis sorti 2 ans plus tard totalement différent, ayant pleinement compris la dignité du sacerdoce. Vraiment, Don Cafasso lui a fait aimer sa vocation. Il le disait d'ailleurs, s'il devait retenir une seule phrase de cette formation de 2 années. Être prêtre, c'est le chemin le plus sûr pour aller en paradis, et pour y conduire les autres. Alors, est-ce que c'est une phrase qui est vraie? Eh bien, Don Cafasso les a prévenus. Elle est vraie à condition que vous appliquiez votre vocation, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et que vous initiez les autres dans ces 2 amours. C'est important. Sinon, un prêtre qui est là et qui pense d'abord à sa vanité, à sa réputation, alors le sacerdoce devient le plus court chemin pour aller à la perdition. Et c'est vrai, c'est ce que disait aussi saint François d'Assise, qui avait vécu à peu près dans les mêmes régions d'Italie du Nord. Il le disait, être prêtre peut aussi être le plus court chemin vers la vanité. Dans les premières années de son apostolat, son évêque nomme don Clément Marchisio dans une petite paroisse qui est véritablement fervente, qui a été labourée par de saints prêtres. Et donc, comme vicaire, c'est formidable. Je crois que l'évêque est très intelligent. On ne met pas ainsi un jeune prêtre tout de suite sur le terrain où est le combat spirituel. Et donc, dans cette paroisse, il distribue chaque jour 400 communions à la messe. Les gens viennent spontanément à la messe tous les jours. Donc c'est formidable, sans compter le dimanche où là, véritablement, il y a à peu près tout le village. Mais ces premiers pas, qui sont paisibles, ne vont bien sûr pas durer. En 1860, il a maintenant 27 ans. Son évêque le nomme curé. Curé, ça veut dire responsable. Avant qu'il n'était que vicaire, ça veut dire sous la direction d'un curé qui pouvait lui apprendre le métier. La paroisse s'appelle Rivalba Torinese. C'est une paroisse violemment anticléricale, au point que les curés du coin essayent de fuir cette nomination. On l'appelle la tanière du diable. Que s'est-il passé dans cette paroisse-là? Eh bien, ce sont des hommes particulièrement politiques dans les cafés qui ont répandu véritablement un rejet de l'Église catholique. Alors peut-être pas du Christ en lui-même, non, loin de là. Le Christ, lui, est aimé. Mais les curés, ceux qui sont au service du Vatican, sont moqués. Véritablement comme des gens qui apportent une loi morale indue, qui mettent leur propre volonté par-dessus le peuple, qui écrasent la liberté du peuple à vouloir s'unifier politiquement. Donc, c'est terrible. Et lui, malgré tout, qui n'a eu comme expérience jusqu'ici que des choses faciles, alors il y va un peu la bouche en cœur, véritablement presque sûr de l'aide que Dieu lui apportera. Il a une grande ferveur.
On peut dire que Don Cafasso lui a appris à adorer l'Eucharistie, à la mettre au cœur de sa vie. Il est donc fort des armes de Dieu. Et malheureusement, il n'a aucune idée de ce qu'il affronte, comme d'ailleurs le manifeste le discours d'installation qu'il fait le premier jour. Alors, il faut imaginer, hein, à la paroisse, les gens viennent, évidemment. Il n'y a pas de télévision comme maintenant, maintenant il n'irait même pas. C'est le loisir, on peut dire, du dimanche. Et voilà le discours qu'il fait. C'est un discours qui est un discours de battant. Il veut véritablement conquérir la paroisse à Jésus-Christ. Il faut savoir qu'un discours comme ça d'installation, les gens, s'ils sont ennemis, ils notent tout dans leur tête. Et ils relèvent les choses. Ils commencent par dire: très cher paroissien, je vous dois le bon exemple, l'instruction, mes services et tout moi-même. Je dois me sacrifier pour vos âmes si c'est nécessaire. Oh, ça, ils l'ont bien noté. Alors donc, il sera un bon exemple et il se sacrifiera, nous allons voir jusqu'à quel point. Et donc il continue, il dit: mon premier devoir sera le bon exemple. Comme pasteur, je dois être la lumière du monde et le sel de la terre, ce qui m'oblige à toutes les vertus. Je dois honorer mon ministère par une vie sainte et irréprochable. Ouh là là, que n'a-t-il pas dit là? On va voir s'il durera lorsqu'il sera confronté à l'épreuve, pensent déjà certains dans l'Église. Mais il continue en indiquant le devoir qu'il demande de ses paroissiens, comme tout bon curé. Il leur dit: vous, en retour, vous devez honorer, respecter et imiter mon ministère. Ce n'est pas ma personne, qui est une pauvre personne pécheresse, que vous devez respecter et honorer, mais mon ministère, que vous devez vraiment regarder comme venant du Christ, car en mes mains, des pouvoirs que n'auront jamais ni les anges du ciel, ni les rois de la terre ont été déposés. Le pouvoir de consacrer l'Eucharistie, de pardonner les péchés. Et puis, si je suis votre pasteur, c'est parce que vous devez me regarder comme celui que Dieu vous a donné pour vous conduire au ciel. On peut imaginer ce que certains pensent en se disant: ce petit curé, là, il ne se prend pas pour n'importe qui, il a été ordonné, là, il a encore de la goutte au nez, et il se prend pour le ministre du Seigneur, le berger de cette paroisse. Donc, il y a des ricanements sourds, mais lui ne les voit pas. Et il continue, Don Clément continue en disant: mon second devoir est de vous instruire. Et c'est vrai. On voit ici ce qu'il a retenu de Don Cafasso. Ça veut dire qu'il a un devoir d'incatéchiser les enfants, d'enseigner ceux qui ignorent la foi, y compris ceux qui ne fréquentent pas l'Église, de conseiller les pères et les mères de famille, d'exhorter les jeunes. Bref, c'est un rôle délégué par son évêque pour élever les âmes vers Jésus-Christ. Et il termine son discours par un troisième point qui montre l'étendue de son, je dirais, de son ambition pour ses paroissiens. En troisième lieu, je me dois tout à tous, comme Jésus-Christ l'a dit. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et donc je dois vous consacrer toutes mes veilles, mes soins, mes fatigues, à tout moment, de jour comme de nuit, quelle que soit la distance, la chaleur, le froid. Et donc, mes services, comptez sur eux. Et j'ajouterai à cela le plus grand des services, j'ajouterai ma prière, car c'est par elle que saint Paul a converti tant d'âmes. Je ne sais pas ce que, à la sortie de cette première messe, les hommes en particulier qui allaient dans le café, et souvent qui allaient d'ailleurs dans le café pendant la messe, hein, c'est ce qui va voir très vite se réaliser, se sont dit. Toujours est-il que manifestement, une sorte de complot a été établi contre lui, afin de voir combien de temps il tiendrait. On se trouve un petit peu, dans un pari qu'ils ont posé entre eux. Dès le dimanche suivant, commence une attitude qu'il constate. Il fait la première lecture, la seconde lecture, l'évangile. Et juste après, on voit quelque homme qui fait un espèce de signe de croix plus ou moins en rond et qui sort de l'église pour ne pas entendre le sermon. Donc lui, il repère cela, hein. C'est une chose qu'il n'avait pas l'habitude de voir là où il avait été jusqu'ici. Mais il n'empêche, il prêche la vérité, ce qu'il voit en parcourant le village. Par exemple, il remarque qu'il y a des blasphèmes, des gens qui conduisent leur charrette avec les bœufs ou les chevaux et qui jurent le nom de Dieu à tire-larigot. Il y a des gens qui ne respectent pas le dimanche en travaillant de toutes les façons possibles. Et puis des mœurs avec des histoires de
tromperie dans les couples, etc. Alors ses sermons sont fermes, il parle en vérité de la façon dont il faut se comporter, et il le dit, si je ne vous dis pas la vérité, je serai moi-même rendu responsable de la perte de vos âmes. Très vite, l'hostilité se manifeste encore plus, ça veut dire que, à la messe suivante, il y a plus d'hommes qui, au début du sermon, font leur signe de croix en rond et s'en vont dans le café. Et au bout de 5-6 messes, eh bien, les femmes commencent à sortir elles-mêmes, si bien qu'il ne reste plus dans l'église que quelques vieilles femmes qui sont un peu sourdes mais qui sont habituées à la fidélité à la messe, et puis les enfants du catéchisme. C'est décourageant. C'est profondément décourageant. Eh bien, il continue, et loin de se décourager, on a là le modèle de l'attitude qu'un saint prêtre doit avoir. Premièrement, tout remettre à Dieu, c'est fondamental. Il n'est pas un homme marié, il ne peut pas se réfugier dans le sein de sa famille, vraiment. Il n'a que Jésus-Christ, la Vierge Marie, pour l'aider, ainsi que les saints et les anges. Et donc, on le voit, il se lève à 5 heures, et après 2 heures de prière à l'église, qui est ouverte, dont le chapelet, il célèbre la messe à 7 heures, et les femmes qui sont là, qui ont gardé un peu de piété, y assistent, et puis elles se le disent entre elles. Il ne se contente pas de cela, ça c'est l'aspect, je dirais, amour de Dieu, ce qui lui donne le fondement de sa vie. Il se rend compte qu'il faut qu'il aime ses paroissiens, il ne suffit pas de dire la vérité, il faut qu'en acte, il montre à quel point il est avenant, il les aime comme ses brebis. Et donc on le voit, qui va visiter les maisons dans la journée, une après l'autre, qui parfois est reçu de manière un peu froide, mais qui n'hésite pas à parler simplement avec les gens. Il voit aussi quels sont les besoins des gens, et il se rend compte qu'il peut, avec son entregent de curé, il est un notable, hein, il peut créer des œuvres, comme par exemple des œuvres sociales, pour aider ceux qui en ont besoin. À la messe le dimanche, il ne baisse absolument pas son ton, il n'est pas question qu'il édulcore la vérité. Donc les gens comme ça, en le voyant courageux, parce que tellement de gens le méprisent, et ils continuent, ils se disent « Ah ben celui-là, il croit en ce qu'il dit quand même ». Et il le dit « Sachez-le, une bonne fois pour toutes, je ne suis pas venu ici pour vous plaire, mais je suis venu pour vous dire la vérité et pour vous convertir à Jésus-Christ ». Sans doute que dans le café, pendant cette messe-là, où les hommes passent la plupart de leur temps, on prépare d'autres coups, des coups comme des blagues, qui ne sont pas méchantes, qui sont potaches, mais qui pourraient vraiment déstabiliser quelqu'un qui aurait moins, je dirais, le sens du réalisme. Par exemple, un jour, eh bien, on introduit par la porte de l'église un âne qui braie à tue-tête pendant qu'il est en train de dire son sermon. Il pourrait perdre pied. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il met sa tête dans sa main, il se concentre, il prie. Et quand l'âne enfin s'est calmé, il reprend son homélie avec ferveur, persuasion, comme si de rien n'était, et il s'adresse même à l'âne qui est toujours là. Alors d'autres mauvais tours vont lui être joués, comme par exemple des vacarmes, des bruits dans l'église, on entend tout d'un coup « croix, croix », comme ça. On ne sait pas d'où ça vient, évidemment, pour trouver qui fait ça, des coups de sifflet, des chants provocateurs, enfin de quoi déstabiliser n'importe qui à un public devant lui. Mais ça, à la rigueur, c'est des plaisanteries, ça va pas très loin. Il y a des choses beaucoup plus graves qui vont être faites, comme ça se fait habituellement. Hein. Un curé célibataire qui vit dans son presbytère, qui fait de grandes pénitences pour essayer d'obtenir de Dieu la conversion de sa paroisse, alors les ragots sont là. Et puis on surveille, est-ce qu'il n'aurait pas une maîtresse qui expliquerait sa maigreur, etc. Et donc les ragots deviennent un moment de décerditude, on se met à écrire à l'évêque, toutes choses qui sont habituelles, hein, qui viennent d'ailleurs souvent, malheureusement, du public féminin. Les hommes, parfois, lorsqu'ils se laissent aller à là, c'est plus viril, c'est plus fort. Un jour, par exemple, voici qu'un agresseur l'attaque dans la rue avec un bâton. Mais lui, il est plus jeune, plus habile que lui, il arrive à attraper son bâton. Puis ensuite, il le lui rend et il lui dit « Écoute, prends. Et fais de moi ce que tu veux. Je suis prêt à mourir, tu sais. Je ne regrette pourtant qu'une chose, c'est que tu ne seras pas, c'est que tu seras découvert et que tu tomberas entre les mains de la justice. » C'est dit avec tellement de sincérité, de vérité, d'amour de son agresseur que l'autre est comme désarmé et il s'en va, tout pensif. Et il répand autour de lui ce qui s'est passé.
Ça veut dire que, globalement, quand même, dans le café, dans les cafés du village, là, on commence à discuter en disant, ben, il est bien courageux, il tient bon, hein, quand même. Ah, il est fort, c'est pas n'importe qui. Et quelque part, une certaine admiration commence à venir. C'est un peu le même phénomène qu'on avait vu au début de l'Empire romain lorsque les chrétiens étaient persécutés. Leur courage devant les lions finissait par retourner le peuple en leur faveur. C'est un peu ce qu'il vit. En ce qui le concerne, évidemment, il n'est pas du tout au courant de ses pensées dans les cafés et il finit par se décourager. Donc, il écrit à son évêque en lui expliquant qu'il n'est arrivé à rien, que les choses s'empirent même et qu'il pose sa démission, qu'on le nomme dans une paroisse où il sera davantage capable. Son évêque lui répond aussitôt par une lettre d'encouragement solide. Ça, c'est très important, le soutien de l'évêque. Quand un évêque se désolidarise, hein, quand il devient une sorte d'administrateur fonctionnarisé, c'est évidemment mauvais. Mais là, c'est un vrai père qui lui dit: reste, reste sur la croix où je t'ai fixé. Reste-y pour notre Seigneur. Tu ne vois pas les fruits maintenant, mais tu le sais, tu les verras un jour. Et Don Clément obéit. La phrase que lui a dit son évêque, hein, qu'il était sur la croix pour le moment, qu'il suivait son Seigneur, le touche beaucoup. Il décide de s'abandonner à sa famille céleste, Jésus, Marie, Joseph. Une famille. Donc, il n'est pas seul, il n'est pas un prêtre seul dans son presbytère, il a véritablement un soutien du ciel. Et il le dit, pour aimer Jésus, non pas seulement en paroles enflammées, mais en actes, il faut être haï, renié, il faut souffrir, être fatigué et humilié pour lui. Le bien majeur s'accomplit sur la croix. Donc, et parce qu'il est soutenu par son évêque, ça joue énormément. Mais surtout parce qu'il est soutenu par Jésus qui avait dit: Heureux êtes-vous si on vous persécute à cause de moi. Il reprend courageusement son ministère à partir de ces deux pieds sur lesquels il s'appuie, l'amour pour Jésus dans l'Eucharistie, donc sa spiritualité de prêtre, et puis l'amour de ses paroissiens. Donc, quand il célèbre la messe maintenant, eh bien, il prend son temps, il la dit lentement, il se concentre sur chaque parole du canon afin de les méditer avec ferveur. Il retient plus que jamais la spiritualité que lui avait communiquée son maître Don Cafasso. La spiritualité de tous les prêtres est liée à l'Eucharistie. Et je voudrais m'arrêter ici un moment. Le pape Jean-Paul II avait dit à un moment donné, dans une homélie, que la base et la finalité de toute la vie chrétienne était l'Eucharistie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas par hasard plutôt la base et la finalité de la spiritualité des prêtres, puisque eux, ils vivent de Jésus Eucharistie. Qu'est-ce que répondrait sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église? Elle répondrait que le fondement et la finalité de l'Eucharistie elle-même, c'est d'avoir Jésus dans son cœur, réellement présent, par son Esprit Saint, dans le cœur à cœur de la prière, ce qui d'ailleurs correspond à l'Eucharistie. Si Jésus s'est fait pain et vin, c'est pour être consommer, et donc pour venir habiter dans le ventre, en fait dans le cœur, bien évidemment, et qu'on puisse lui parler. Donc il faut bien comprendre, les prêtres vivent pour nous de la spiritualité de l'Eucharistie qu'ils nous donnent, et nous, nous sommes appelés à l'action de grâce quand nous avons reçu l'Eucharistie, donc à partir de l'Église, avec la spiritualité de Jésus tout entier, tout au long de notre journée. Et le pain quotidien nous est donné non seulement par l'Eucharistie, mais par la prière du cœur. Donc, ça paraît une petite nuance, hein, mais il faut le comprendre. Jésus à jamais subsistera dans son être et nous serons face à sa vision de son essence divine dans l'éternité. L'Eucharistie, le mode par lequel il se donne maintenant, disparaîtra. Mais sur la terre, c'est concret, c'est palpable, c'est adapté à ce que je viens de dire. Eh bien, lui, en ce qui le concerne, Don Marchisio, il reçoit sa force de l'Eucharistie, vraiment, et il en parle chaque jour à la messe où il y a quelques vieilles femmes au début, puis quelques femmes plus jeunes, parce que, pour avoir la paix des ménages, souvent elles quittent elles-mêmes l'église à un moment donné, hein, elles suivent leur mari. Eh bien, il leur dit, « Si vous ne préparez pas le terrain pour semer, inutile pour vous de semer du bon grain. Il en est de même pour cet aliment de l'âme qu'est la Sainte Communion. Celui qui veut recevoir les fruits de l'union à Dieu, donc le but de l'Eucharistie dont je viens de parler, celui qui veut conserver la vie de l'âme et accroître ses forces,
doit posséder les dispositions nécessaires, donc se préparer. Saint Jean Chrysostome avait pris une analogie qui est tout à fait concrète pour les personnes mariées. Il disait « Le don du corps de Jésus dans l'Eucharistie est analogue au don que se font les époux de leur corps dans le mariage. Il est préparé, ce don des corps, par un amour qui précède de la gentillesse, des attentions. Et il aboutit après à de la reconnaissance, à de l'amour, à de la délicatesse. Ça veut dire qu'il n'a de valeur que par ce qui le précède et ce qui le suit. C'est la même chose pour l'Eucharistie. » Et donc, Don Clément Marchisio, dans le reste de la journée, passe de longs temps, il y retourne souvent, devant l'Eucharistie exposé, et il le dit, « Voyez, moi aussi, je me trouve parfois accablé sous le fardeau des tribulations. Mais après 5 minutes passées devant le Saint-Sacrement, qui est notre tout, je me sens pleinement revigoré. Faites de même quand vous êtes abattu et découragé. » Et il s'adresse malheureusement au début principalement à des femmes. Les hommes, quant à eux, ça fait longtemps qu'ils sont partis, qu'ils passent leur messe dans le café. Mais quand même, ils commencent déjà à penser comme je l'ai dit. Et surtout quand on voit aussi ce qu'ils créent comme œuvre concrète. Non seulement par ses travaux personnels, par son argent qu'il a, pas beaucoup, il a retapé l'église qui est maintenant rendue belle pour que le culte de Dieu soit parfait, que Dieu soit honoré, un peu comme cette femme dont j'avais parlé avec le parfum de Grand Prix aux pieds de Jésus. Mais il s'occupe aussi des plus pauvres parmi ses paroissiens. Il crée des œuvres sociales et de nombreuses personnes qui partent de son village pour aller chercher une vie meilleure dans la ville de Turin, eh bien, il s'efforce qu'elles puissent rester, surtout les jeunes femmes, dans le village. Et par exemple, il crée un atelier de textile et il en confie la gestion aux sœurs Vincentiennes de Marie Immaculée, de manière à ce qu'elles puissent avoir un salaire, rester sur place, créer leur famille ici. La persécution va durer 10 ans. Et quand même, au bout d'un certain nombre d'années, les gens sont obligés de le constater. Jamais on ne le voit commettre la moindre imperfection dans l'observation des commandements de Dieu et de l'Église. Obstinément, il reste lui-même et avec sa bonté auprès de tous les paroissiens. Ce qui fait que peu à peu, eh bien, les hostilités commencent à fondre quelque part. Et lui qui passe de maison en maison, qui parle avec les gens, il finit obligatoirement par être aimé. C'est ainsi que, incroyablement, par ses méthodes conjointes, eh bien, il va arriver à convertir sa paroisse. Ça veut dire qu'à un moment donné, le vent tourne complètement. Les plus fortes têtes acharnées contre lui finissent par admettre que c'est quand même un bon curé, hein, on ne peut pas le nier. Et donc, les gens reviennent à l'église. Et du coup, on voit les hommes qui se remettent à assister au sermon et qui, du coup, commencent à modifier leurs mœurs. Les femmes qui vont se confesser le disent. Ils confessent comme un ange. Et les hommes les plus durs disent « Ben oui, il a quand même bon cœur, hein ?»« Ah, le bon cœur, oui, ça c'est on pourrait le dire. S'il y avait un mot pour le résumer, c'est qu'il a bon cœur. » Son discours reste aussi le même. Il continue d'exhorter aux améliorations. Par exemple, on l'entend dire dans sa paroisse « Ce qui me brise le cœur, ce qui m'empêche d'avoir la paix, c'est de voir tant de péchés commis avec indifférence, comme si les gens disaient qu'ils n'ont pas de péché. » Et c'est le plus grand mal qui soit au monde. Non seulement le péché apporte la ruine pour l'éternité, mais c'est déjà, dans la vie présente, une sorte d'enfer. Et il continue en disant « Quel bonheur c'est d'être dans la grâce de Dieu. Ô Seigneur, donnez à ma voix la force de pénétrer les cœurs et une très puissante vigueur pour abattre et déraciner le vice. » Donc, si je résume la méthode qu'utilise Don Clément Marchisio, que tout prêtre doit utiliser, eh bien, elle tient en deux pôles. C'est les deux pôles de la charité. D'abord, l'amour du prochain, qui évidemment est fondé sur l'amour de Dieu, mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc, une charité réelle, qui s'adapte aux besoins. Quand il y a des besoins matériels, il est là pour apporter son aide matérielle. Par exemple, personne ne repart de chez lui sans avoir reçu de l'aide. Il va jusqu'à donner sa literie, les draps, les couvertures à des pauvres réduits à se réfugier dans une écurie. Entre 1871 et 1876, donc après l'unification de l'Italie, entre ses 38 ans et ses 43 ans, il bâtit un asile pour les enfants, je l'ai dit, pour l'atelier de tissage. Et
On peut dire que, comme il y a des jeunes filles qui sont là, qui voient que c'est un saint prêtre, eh bien, il les réunit même pour qu'elles puissent se mettre au service de tout le village. Il les appelle les filles de Saint-Joseph, mais je vais en parler tout à l'heure. Justement, son deuxième axe, qui est aussi le fondement, c'est son amour pour Dieu. Et l'amour pour Dieu jaillit en source de vie éternelle vers son prochain. Et donc, je voudrais parler justement de ce qu'il crée à l'âge de 42 ans, en 1875. Quatre jeunes filles sont venues, qui se confessent à lui, et elles voudraient se consacrer à Dieu. Ce sont des jeunes filles de la petite ville où il est curé. Et donc, il se dit qu'il pourrait faire quelque chose. Il constate que ces jeunes filles ont principalement comme fondement une vocation contemplative. Ça veut dire que quelque part elles pourraient être carmélites, il pourrait les diriger vers cela, mais il y a mieux à faire. Il l'a constaté dans la Grande Guerre, la perte des États du Vatican, le fait que le pape Pie IX s'est replié sur le Vatican. Il y a beaucoup d'anticléricalisme et les gens n'hésitent pas à aller à la messe, à recevoir l'hostie, à le ressortir de leur bouche, puisque la communion est donnée directement dans la bouche à cette époque-là, avec des marques de respect, et ensuite à montrer au café l'hostie, à se moquer d'elle, à faire n'importe quoi. Pour lui, il y a véritablement une profanation de ce qu'il y a de plus sacré dans la foi. Et donc il se dit, pourquoi ces quatre jeunes filles ne prendraient-elles pas la vocation de la femme dont je parlais tout à l'heure avec sa bouteille contenant du parfum? Pourquoi est-ce qu'elles n'offriraient pas leur vie au service de l'amour de l'Eucharistie pour réparer toutes les offenses qui sont faites à l'Eucharistie, à Jésus qui a donné sa vie? Il leur parle de ce projet, il en parle aussi à son évêque. Il les appelle les filles de Saint-Joseph. Pourquoi? Parce que Saint-Joseph s'est occupé du corps de l'enfant Jésus quand il était tout petit, qu'il était persécuté par Hérode, qu'il a dû fuir en Égypte. C'est lui qui protégeait. Et donc il se dit, vous aurez comme patronage Saint-Joseph sous cette action-là. Vous devrez aussi catéchiser les enfants. C'est très important, leur communiquer la foi dès leur jeunesse. L'une des jeunes filles qui est particulièrement, je dirais, capable de diriger, qui s'appelle Rosalie Sismonda, accueille son projet, qui maintenant devient concret, avec un grand enthousiasme, et donc, très modestement, il fonde son institut. Évidemment, il a très peu de moyens matériels, et donc il leur dit, dès leur installation, mettons les choses dans les mains de Saint Joseph. C'est notre bon père nourricier, qui ne nous laissera jamais manquer de rien. Priez, frappez à la porte de la divine providence et espérez tout de Dieu par l'intercession de Saint Joseph. Et puis, il les encourage à aimer la Vierge Marie. Elles seront quelque part un petit peu la famille de Jésus. Nous irons toujours vers Marie. Elle ne manquera pas de nous secourir. Pensons à sa pureté, à son humilité, à son union à Dieu, à sa conformité à la volonté de Dieu. Et nous, notre vocation sera de nous efforcer de la faire resplendir en nous pour lui ressembler. Nous devons tenir Marie en notre cœur. Et la Sainte Dame sait que nous sommes ses enfants. Elle est la mère de notre salut éternel. Alors courage, courage, mes sœurs. Un jour, nous verrons notre bonne mère au ciel. Vous avez réfléchi au bonheur que c'est d'avoir une telle maman? Je sais que cette fondation-là a dû faire ricaner pas mal de francs-maçons de l'époque, hein, ceux qui avaient établi l'unité italienne en disant encore une perte de temps avec leurs superstitions. Ils réagissaient un peu comme Judas. À quoi ça sert de mettre le parfum aux pieds de Jésus? Eh bien, les filles de Saint-Joseph existent toujours. Elles sont dans 30 maisons à travers le monde. Elles fabriquent des monceaux d'hosties qu'elles distribuent dans toutes les paroisses du monde entier. Elles pressent des tombereaux de raisin pour faire le vin de messe. Elles lavent des tonnes de linge liturgique. La basilique Saint-Pierre de Rome utilise leur service pour que le linge sacerdotal soit beau, propre, qu'il y ait un certain honneur au Seigneur dans le culte qui lui est rendu. Vraiment, on peut le dire, hein, c'était un saint prêtre que Don Clément Marchisio et Don Cafasso du haut du ciel devaient être fiers de lui. Mais il n'avait pas fini son pèlerinage terrestre. Lui, ce petit curé de paroisse, le Seigneur maintenant doit le préparer à la vie éternelle. Et nous le savons, si nous sommes mis sur la terre un certain temps, c'est pas parce que c'est inutile, mais c'est parce que personne ne peut voir Dieu face à face. C'est le but de tout cela, s'il ne meurt pas à lui-même. Or, le Seigneur, qui trouve
dans Don Marchisio un véritable serviteur et la Vierge Marie décide manifestement qu'il fera son purgatoire sur la terre et donc que la parfaite humilité qu'il doit acquérir, ce sera pour la terre. Il n'aura pas à faire de purgatoire dans l'autre monde. Et donc, 5 ans avant sa mort, tout d'un coup, lui est annoncée la date de sa mort. Il lui est dit, vous mourrez à 70 ans. Ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Les gens qui ne vivent qu'en vue de la vie éternelle, très souvent, ne vivent pas la malédiction qui est dite par Jésus. La mort vient comme un voleur. Souvent, la date de leur mort leur est annoncée parce qu'ils n'ont pas besoin que la surprise leur soit faite pour qu'ils soient prêts tout le temps. Ils sont tout le temps prêts. Et donc, 5 ans avant, il le sait. Il a 5 années pour se préparer. Et le Seigneur le prend au mot et lui envoie une terrible nuit de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la nuit de l'esprit? C'est quand, d'une manière mystérieuse, et ça vient directement de Dieu, nous est retirée l'impression même que nous avons la foi, ou que le Seigneur nous aime, ou que nous aimons le Seigneur. C'est donc quelque chose de terrible, parce que ce n'est pas simplement une sensation, comme ça se passe au début de la vie spirituelle quand on ne ressent plus le Seigneur. Mais c'est plutôt une absence de compréhension. L'intelligence perd sa lumière. Au point que Jésus, quand il l'a vécu sur la croix, puisqu'il a voulu vivre cette souffrance ultime, le dit par ses paroles, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans son humanité sainte, il a vécu ça. En réalité, celui qui passe par là a tellement souffert, il a connu des moments de désespoir, que après, il est toute bonté, toute compréhension pour le chemin de ceux qui n'ont pas forcément son propre chemin de sainteté. Et donc, il écrit à propos de cette nuit obscure, il le dit, « Pauvre de moi, jamais le démon ne m'a ainsi tourmenté. Quelle douleur ne m'a-t-il pas fait endurer, comme il m'a désabusé en me présentant ma vie inutile. Quelle tentation, jusqu'à celle de détruire mon institut de religieuse. » Il n'en dira pas beaucoup plus, mais on devine par où il est passé. Évidemment, je l'ai dit, maintenant, ayant connu cela, il peut nous comprendre, et quand nous arrivons au terme de notre vie, on peut dire qu'il est l'un de ceux qui nous accueillent, qui nous comprend dans nos propres chutes, nos propres misères. En tout cas, on le voit, ça a un sens. Et effectivement, 5 ans plus tard, le 15 décembre 1903 au matin, il commence par se lever pour aller célébrer la messe et pour visiter la cofondatrice de son petit institut religieux, sœur Rosalie Sismonda, qui elle-même est mourante. Et il va l'accompagner. Elle va mourir d'ailleurs 2 heures avant lui. Et alors qu'il l'assiste, il est pris à son tour d'un malaise. Il est porté dans son lit et il dit à ceux qui l'entourent « Ah, si seulement je pouvais encore célébrer une messe, ne serait-ce que pour sœur Rosalie, et aujourd'hui peut-être je ne pourrais même pas réciter le bréviaire. » Et puis à peine a-t-il prononcé ces paroles-là que vient l'agonie. Et il dit de brèves prières, tandis qu'il sent que son âme s'en va. « Mon Dieu, ayez pitié de moi, créez en moi un cœur pur, Jésus, Marie, Joseph. » On peut dire qu'il se met sous la protection de la Sainte Famille et ce seront ses dernières paroles. La Sainte Famille vient le chercher à ce moment-là. Il part comme il l'avait annoncé, il part avant son propre troupeau, c'est-à-dire tous les paroissiens qui l'assistaient depuis tant d'années. Il avait écrit juste avant de partir, « Les choses de ce monde, vous savez, elles ne sont rien. Le ciel, l'éternité m'attendent. Qu'en serait-il de moi, de nous ? Vous savez, 1 million d'années après ma mort, je ne serai qu'au commencement de l'éternité. La terre, c'est juste un lieu de passage où je suis comme un voyageur. La vie est un moment qui fuit les eaux comme les eaux du torrent. » Ce qui est étonnant, c'est que quand il meurt le 15 décembre 1903 à l'âge de 70 ans, eh bien, depuis moins de 6 mois, un pape a été élu sur le trône de Saint-Pierre, le futur pape Saint Pie X. Et Saint Pie X, il avait rencontré déjà 22 ans plus tôt, dont Clément Marchisio. Il s'était entretenu avec lui alors qu'il était évêque, simple évêque de Mantoue. Il s'appelait à l'époque Monseigneur Sarto. Et quand il rencontrera un peu plus tard des filles de Saint-Joseph au Vatican, il leur dira « Savez-vous que votre curé de Rivalba est un saint ?»« Oui, vous savez, votre fondateur, il faut grandement tenir compte de ses paroles, de ses avis, de tous les souvenirs qu'il vous a laissés. » Et effectivement, il était prophète puisqu'il sera béatifié
par le saint pape Jean-Paul II. Ça se passe le 30 septembre 1984 et pendant son homélie, Jean-Paul II avait dit « C'était un homme de prière, comme doit l'être tout prêtre. Il fut conscient de son devoir d'invoquer Dieu, Seigneur de l'univers et de sa vie, mais il fut tout aussi conscient du fait que la véritable adoration digne de l'infinie sainteté de Dieu se réalise surtout par le sacrement du corps et du sang du Christ. Ainsi montra-t-il toujours le plus grand zèle dans la pieuse célébration de la messe, dans l'adoration assidue, dans le soin apporté au faste des diverses célébrations liturgiques. Il était en effet persuadé que l'Église s'édifie surtout autour de l'Eucharistie. Et j'ajouterais, eh bien, ce que Conseil Vatican II donnait comme mission du prêtre. Il a su faire aimer l'Eucharistie au petit troupeau qui lui avait été confié.